l'homme, il peut rien faire. Que l'homme, en fait, il est aussi petit qu'un grain de moutarde par rapport à Dieu. Dieu, lui, il peut faire, grâce à sa puissance miraculeuse, il peut faire, il peut le faire. Les âmes de ceux que nous désirons sauver sont comme la représentation des ossements. Ils sont morts dans leur délit et dans leur péché. Mais Dieu veut que nous les traitions comme s'ils étaient vivants. Il ne faut pas les traiter méchamment, les mettre à part, les mettre à côté. Il faut les traiter comme des frères. Jésus, notre modèle, il n'a pas repoussé les personnes de mauvaise vie. Il a été avec eux pour pouvoir les sauver de leurs péchés. Le Seigneur, il nous donne ce pouvoir quand nous sommes vraiment attachés à lui. Cette prophétie s'accomplit pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et que nous devons instruire. Ils sont desséchés de Dieu et nous devons leur donner de l'eau, la source de vie, la parole de vie, pour qu'ils puissent vivre. Elle ne s'accomplit pas seulement pour le monde, mais aussi pour ceux qui ont été bénis de grandes lumières. Car eux aussi sont comme des squelettes dans la vallée. Ils ont une apparence humaine, mais n'ont pas de spiritualité. Ils disent oui, oui, on est spirituel, on est vraiment accroché à Jésus, mais quand viennent les difficultés, ils tombent, parce qu'ils tiennent leur sac d'orgueil. Ils veulent pas le lâcher pour qu'ils puissent tenir Jésus. Ils veulent garder leur sac d'orgueil, d'égoïsme. Nous devons leur donner ces messages. Réveille-toi, toi qui dors dans la poussière de la terre. Réveille-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur toi. Un cœur joyeux fait un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les os. Nous voyons que quand nous sommes joyeux et que nous avons Jésus dans notre cœur, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Et qui veut dire que quand nous sommes un faux chrétien, eh bien nous sommes tristes. Même dans les difficultés, quand nous sommes accrochés à Jésus, nous ne devons pas être tristes, car Dieu nous donne toujours la joie. Nous sommes toujours joyeux avec lui. Même quand il y a quelque chose, par exemple, d'horrible, par exemple un décès ou quelqu'un qui meurt comme ça. Il faut être joyeux, car le Seigneur nous donne la force de surmonter ces épreuves. Ces épreuves sont pour notre bien, pour voir si dans les difficultés, nous nous accrocherons de toute notre force à Jésus. Les ossements qui reprennent vie, Dieu en fait une armée pour lui, pour partager la vérité et que le monde entier, grâce à ses messagers, puisse connaître le message de Dieu. Dieu nous appelle tous à venir dans son armée, à être enrôlés comme soldats, comme de petits vaillants soldats pour lui. Dieu nous appelle tous, aussi bien enfants, tout petits enfants, parents, personnes âgées, à tout âge, nous pouvons être enrôlés dans son armée. À tout âge. Nous devons faire connaître au monde le message. Le message de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Il ne faut pas perdre une seconde. Il revient tellement bientôt qu'il ne faut pas perdre de temps. Le Seigneur revient bientôt. Soyons courageux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.